Ça, c'est Luc. Luc a pas besoin de grand-chose dans la vie. Luc est dans son habitat naturel, un divan sale. Le divan sale. Un divan sale. Luc aime son habitat. Luc ne le changerait pour rien, sauf le Honduras. Ce pays où il fait toujours entre 5 et 10 degrés. Luc n'a pas besoin de grand-chose dans la vie. Son divan sale est accédé sur son iPod. Et l'affaire est finie, final bâton. Il a un abonnement à la Caisse des Jardins. Par contre, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Car il n'en a pas de besoin. Il n'a pas de besoin de grand-chose en vie. Il a déjà acheté son iPod, l'action obsédée. Puis, il y a son divan sale. Il est heureux. Heureux. Oh oui. Heureux. Luc, parfois, aime faire compte que la société lui demande. Il déchire les genoux de ses culottes. Très dur. Très, très dur. Un vrai rebelle. Avec son divan sale et ses culottes déchirées au niveau des genoux. Luc est un bon, est un gentil. Il a un esprit de camaraderie lorsque son divan ne prend pas trop de place. Luc est un guéluron. Il adore les randonnées pédestres et boire une petite coupe de vin. Quand je l'ai rencontré, c'était le coup de foudre. Je fais rien que ça me saouler dans le bois. Luc consomme de la drogue. On ne peut vous dire laquelle. On a des jeunes auditeurs. Ça pourrait vexer leurs parents. Du moins, Luc, lorsque le cœur lui en dit et qu'il sort son écrevisse, ça rend tout le monde heureux autour de lui. Tout le monde aime son écrevisse. Son écrevisse qui, une fois l'occasion, baigne dans la craque du divan sale. Car comme tout jeune, à l'âge de 12 ans, il s'est rendu compte qu'il avait un libido et qu'il avait une craque dans le milieu du divan. Et oui. Luc adore le jazz. Luc écoute rien d'autre que du jazz. Jazz de style Carly Rae Jepsen. Il adore les solos manouches, ainsi que les riffs endiablés de cymbales de drum jazz dans les tunes de Carly Rae Jepsen. Luc est comblé. Sa journée est presque terminée. Il est 1h15. Il risque d'aller se coucher sur son divan sale dans pas long. Il vous remercie de regarder sa vidéo.